Bonjour à tous. Merci à la municipalité de Vialet ainsi qu'à la ville de Gardner de mettre l'église à notre disposition. Merci aussi à tous d'être présents. C'est peu de dire que nous sommes heureux de nous présenter aujourd'hui devant vous après un épisode de silence bien trop long. Notre dernière prestation date en effet de décembre 2019, au Paris, il y a des lustres. Et puis, la venue de la chorale L'Accrocheur de Pau, qui vous sera présentée tout à l'heure, vous permet de retrouver les deux personnalités qui sont ce soir à la direction et à l'accompagnement du cœur palois, vos amis Estelle Lanoux et Séverine Lermont. Elles ont été, il y a quelques années et successivement, les chefs de cœur de notre chorale à l'Estade de Vialet. Les revoir aujourd'hui, toutes les deux ensemble, nous procure une belle émotion et une grande joie. Quant à Vincent Canet qui leur a succédé, je souhaite ici lui adresser un coup de chapeau. Vincent, dont l'enthousiasme et le savoir-faire ont su rassembler un groupe de musiciens et trois chorales pour une mémorable cantate de Santa Maria de Iquique, donnée à quatre reprises en 2019. Véritable Everest pour les choristes amateurs que nous sommes, cela reste pour l'ensemble des intervenants, choristes, musiciens, techniciens son et lumière, et sans doute aussi pour le chef de chœur, une très précieuse aventure humaine. Tous nos remerciements à Vincent pour cette formidable expérience. Se pourrait-il qu'une suite soit donnée au grand cœur inventé pour la cantate? Depuis peu, c'est une idée qui trotte dans les esprits grâce ou à cause d'Alain Jimenez. Alain Jimenez, notre nouveau chef de chœur, est arrivé après le départ annoncé de Vincent et juste avant la pandémie. À peine avions-nous pu faire connaissance que le Covid nous a renvoyés dans nos foyers respectifs. Au terme de plusieurs trimestres de disette relationnelle et culturelle, notre groupe, comme la plupart de ceux que nous connaissons, n'a pas retrouvé la totalité de ses effectifs. Mais le noyau qui perdure est solide, et avec Alain Jimenez, il ne manque ni de patience, ni de bonne humeur, à l'instant de feu que, croître et embellir. Je précise que chanter avec nous est à la portée de tous, que l'on sache nous en vivre la musique. Et ne pensez pas qu'il soit nécessaire d'avoir une grande voix. C'est le travail collectif, sous la direction de notre chef de chœur et de travail aussi, pour nous, qui permet de réaliser de jolies choses. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il vous suffit de prendre contact avec l'un d'entre nous et de venir à nos répétitions, qui se déroulent habituellement le jeudi au foyer de Galles. Quant au programme que nous vous présentons aujourd'hui, il se compose de chants du monde, que Yves va vous présenter au fur et à mesure, et d'un chant que nous donnerons à la faire en commun avec nos amis de l'Accrocheur. Pour conclure, encore deux précisions. Au fond de l'église, il y a une corbeille pour accueillir votre libre participation. Il y en a deux. Nous vous remercions par avance de votre belle générosité. Et puis, à la fin du concert, vous êtes tous, bien tous, invités à partager le traditionnel moment de convivialité au foyer, en compagnie des choristes. C'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, que vous pourrez rallumer vos téléphones portables. Je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. Et c'est le message que je leur fais passer aussi.
pendant la dernière guerre mondiale, mais la charge. Alors, cette œuvre est en cours de dernière acquisition. Elle est encore en rodage. Donc, on n'y passe pas le métro. Yeah.
Oh.
Thank you.